Donc mon barra. C'est la rentrée scolaire, hein. Donc les parents viennent pour acheter leurs livres et leurs fournitures scolaires. Vous avez trois types de clientèle ou là de parents d'élèves. Vous avez des élèves qui sont dans l'école publique. Vous avez des élèves qui sont dans l'école privée, ce qu'on appelle l'école privée marocaine. Et vous avez les élèves qui sont dans ce qu'on appelle la mission, c'est-à-dire l'enseignement public français. Donc, comme on a dit tout à l'heure, en ce qui concerne l'école publique, c'est une moyenne de à peu près de 600 dirhams, 700 dirhams pour le primaire, puisque les livres d'arabe sont pas chers. En fait, c'est des livres qui coûtent entre 50 dirhams, 20 dirhams, 30 dirhams. Oui, il y a bien sûr qu'il y a aussi la papeterie, les fournitures scolaires. Par contre, c'est vrai que pour l'école privée, c'est plutôt une moyenne de 1600 dirhams par cartable, parce que les livres sont chers, parce que importés. Et donc aussi pour la mission aussi c'est pareil, c'est une moyenne de 1600 dirhams, 1700 dirhams pour le primaire, 2500 dirhams pour le collège et entre 3000 et 4000 dirhams pour le lycée. Et les deux autres, est-ce qu'on peut parler du collège et du lycée pour le public? Ah, pour le public, ouais, pour le public et pour le collège, il faut compter 1000 dirhams. Et pour le lycée, 1200 dirhams, 1300 dirhams. D'accord. Est-ce que les parents se plaignent des prix Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les parents se plaignent des livres scolaires, des prix des livres scolaires qui sont chers. Mais bon, puisque ce sont des livres importés. Mais pourquoi ils sont si chers? C'est la marge qui est... Non, non, pas du tout, c'est pas la marge. Le libraire a une petite marge. C'est plutôt toute la chaîne de distribution. Hein. Parce que vous avez un livre, il respecte une chaîne de distribution qui va de l'imprimerie, de l'éditeur. Il faut payer les professeurs qui ont créé le livre, en passant par l'importateur, la douane. Il n'y a pas de droit de douane sur le livre, mais disons il y a les frais de transport et tout ça. Les prix de l'étranger, ça dépend de la sable école. Quelle école est plus chère, quelle est la fourniture d'hier en plus chère. Quelle est la fourniture, les matières qui sont en train de se faire. Mais dans tous les cas, les frais de la fourniture sont chers. Je suis dans la CMA, il y a 2000 dirhams et plus de la fourniture scolaire. École privée. يعني وكاين شي ديك دي كايي ودي مانيوال اللي ما تخدموش بهم بحال دابا في السيودو شريت لها دي مانيوال ما خدموش بهم راه كيف داتهم في لا رونتري كيف داتهم في لا فان دان خاف لي كل يعني ديال سميتو كول بوبليك كي يعني كيطلبوا شي كيكزيش ماشي باغي باش الولد يمشي يقرا ولا شي حاجه كيطلبوا شي دي فورنيتور اللي طالعين وغاليين لا جيب لي السيلو فلاني جيب لي كتاب تكون فيه مرسومه هذه جيب لي بحال دابا الدري صغير وكيقرا في ابتدائي غادي يدير مثلا كتاب ديال 200 ورقه ولا ديال 300 ورقه اش غادي يدير به الدري يجي باش يقرا ماشي جو سي با هادشي اللي بان ليا ما الله اعلم هادشي تيجيك شويه ماشي معقول واه ماشي معقول راه حتى شي حاجه في هاد البلاد ماشي معقول سي كاتاستروفيك لو شيك عبد الحق اوزونفيرون 2000 درهم بار بيرسون Pour, oui, pour un enfant. En plus, et puis oublier, ça va être dans les minimum 3000 dirhams. C'est trop cher. Ils sont en école privée. Ça, c'est juste non, collège. Collège, pardon. Oui, collège, oui, bon, français. Une mission. C'est juste les fournitures, les cahiers. On n'a pas encore acheté les livres. Les livres sont encore plus chers. On n'a pas encore acheté le cartable, mais le cartable, mais les livres. Entre 4000 et 5000 dirhams. 5000 dirhams pour enfants. Plus, je pense que vers 5000. Pour moi, c'est plus et c'est trop cher et je ne suis pas contente du tout.